Kipindi ishi na volcano, vivre avec les volcans. Kipindi ishi na volcano, kinakuletea habari kuhusu volcan. Kipindi hiki kimeandaliwa na Christian Aid, Action Aid, CAFOD, CBK, Caritas, AFDI. Kipindi ishi na volcano, kinaandaliwa kwa msaada kipesa wa State Network. Les spectateurs, nous sommes très heureux d'arriver au bout de nos émissions sur le volcan. Ici, que tu as vu, je suis qui pindi à Ishina Volcano. Maintenant, je suis pour une fois, dans le cadre à pour célébrer 17 ans depuis l'éruption volcanique à Pamujini Goma, en 2002. Lakini imekuwa kama kitu ya kukua inatukumbusha kila mwaka kwamba tujirappele que le volcan est notre voisin. Na siku ya leo kwa kuhitimisha kabisa kipindi yetu, tutawaonesha vile tulitembea, tulionana na wakati wa Nyiragongo. Nyiragongo kieko ni kwamba ni wale kabisa wanaishi juu ya mafissure. Tutasikia habari mbalimbali, tulitembelea masomo ya Mugara na pia tulitembelea masomo ya Kibati. Tutasikiliza walimu, tujue nini ndio hatari wanaovia, quels sont les dangers zenye wanakuri tant que masomo wanakaa juu ya mafisi. Na tutasikia pia avantage zenye wanaona sur le sol volcanique. Basi nakukaribisha kufuata tena kipindi chako ici na volcano, vivre avec le volcan. Bienvenue. Nous sommes ici dans le cadre du projet d'anticipation aux catastrophes naturelles camp du volcan Nyiragongo qui est notre voisin. Et l'objectif de ce projet, c'est de préparer la population aux éventuelles éruptions. Nous voudrions que la population de Nyiragongo soit informée sur les mesures préventives en cas d'éruption. Nous construisons notre école sur la lave qui est passée tout juste en 1977. Nous avions dit que quand il y a éruption, s'il peut y avoir éruption avant, ou bien pendant, ou bien après, ce que nous pouvons faire, ce sont les stratégies alors que nous avions prises. Et parmi les stratégies, nous devons normalement prévenir la population avant le temps. Et puis avec Action Aid, et puis surtout les volcanologues qui doivent normalement nous donner des consignes avant le temps, alors nous pourrons normalement voir dans quelle mesure on pourra sauvegarder la population avant, pendant et après. Et là où nous sommes ici, c'est là où il y a les fissures qui peuvent provoquer encore et créer un danger auprès de notre école. Dans le cadre de l'Institut Mugara qui est juste à côté d'une fissure, qu'est-ce que vous avez proposé? Qu'est-ce que vous pensez faire exactement s'il y a éruption volcanique? Bon, nous pensons d'abord faire une assemblée provoquée par les présidents des parents qui peuvent sensibiliser d'abord les parents aussi puisqu'ils sont environnantes de ces volcans. Mais aussi, nous devons aussi sensibiliser nos élèves pour les dangers du volcan. Pratiquement, si nous sommes toujours à l'école et que l'éruption volcanique passe, on doit d'abord maîtriser les enfants. Après avoir maîtrisé les enfants, on les montre d'abord comment on peut partir en vérifiant la direction du volcan. Puisque nous devons les accompagner jusqu'à ce qu'on doit trouver un lieu où on peut se mettre avec ses enfants. Comme ici là où nous sommes, sur ces fissures, c'est le chemin d'aller vers le Rwanda. Alors, Si ça passe encore dans le même chemin, on est obligé de monter vers les collines de Mugara, puisque nous avons les collines de Mugara là-bas.
aussi on peut se diriger au monte vers Kibumba puisque les laves ne montent pas, par contre c'est passé. Lakini pia hapa Mugara aux environs tuliweza kuonana na wakaji wa moja wa moja ambao wanafanya kazi za shamba. Tutawasikiliza pia, karibu. Shamba, mbona mimi naona kuko majiwe? Ni majiwe ya nini? Ya volka. Sasa mu majiwe ya volka, munaota chakula. Unaweza nielezea mimea inaweza ota mu majiwe ya volka? Si tunalimaka mu majiwe ya volka, tunapata chakula. Manake mu majiwe ya volka mko mbolewa. Donc mu majiwe ya volka mko mbolewa. Tunawakaribisha kusikiliza pia walimu wa Kibati pamoja na mzazi mmoja ambaye atatoa pia shuhuda zake kuhusu hatari wanaishi ndani yake, lakini pia alituonesha pale ambapo moto ulitokea ili uweze kuunguza mtu wa Goma na pia wanazungumza sur l'importance nani avantage ya udongo ya volcan. Watatueleza zaidi, basi karibu tufuate. Nous sommes à 2 km de Nyiragongo, donc ça peut toutefois commencer par ici. Et qu'est-ce que vous pensez dans les plans d'évacuation? Comment est-ce que vous prévoyez attaque école et surtout avec les acquis de la formation? Nous avons déjà constitué un plan de contingence pour en matière de prévenir tout ça. Et nous avons pensé que si dans notre plan de contingence, nous avons ciblé différents milieux d'orientation. Une fois que cela se pouvait se présenter, on pouvait s'orienter vers un milieu où il n'y a pas d'éruption volcanique à Mans, et nos élèves sont déjà informés de tout ça. S'il y a éruption volcanique, ça peut quitter du volcan jusque vers Goma. Alors, si l'on peut s'orienter, nous avons pris la direction d'aller vers Rwanda, donc vers l'est. Alors, nous avons voulu à ce qu'il y ait une communication entre nous et Rwanda car il y a déjà éruption volcanique. Mais aussi, on peut peut-être s'orienter de notre école vers l'ouest, donc vers ce milieu ici, donc au-delà de Mouja, par exemple. Dans ce cas-là, ça sera vers Sake comme ça. Ouais. Mais au-delà aussi de ça, nous avons pensé que, puisque nous sommes purement le plus exposé au volcan, ça c'est dans nos projets à long terme. Nous avons pensé que si on pouvait même changer le terrain, qu'on aille ailleurs, ouais, que le gouvernement peut-être puisse construire pour nous un autre bâtiment ailleurs, autre qu'ici, ça peut aider aussi puisque nous voyons vraiment, nous sommes tout juste au centre du volcan. Wakati tulikuwa kuformation, tuliweza kuanza wakitufasilia ma probleme mbalimbali zenye zinaletwa na volcan. Tukapata mafundisho kuhusu namna gani watu wanaweza kuondoka na madanger fulani fulani zenye volka inaweza kuleta wakati imetomboka. Hapa tunaishi kumajiwe. Imajiwe ni ya volka ya 2002. Ilitomboka ikakuta ingine ya 1977. Na hivi tunaishi tu hapa karibu na volka, tunaobserve tu. Tunaishi difficilement juu ya kukosa peut-être vitu mbalimbali, mais aussi tunaishi attentivement na mouvement za volcan.
Kuna wakati mnafikiria kama ina change par exemple attitude yake, est-ce que kwa wakati mnajua kama iko sawa mlima haiko biani? Bo, kitu tunaonaka ni mapano za zenye zinasimikiwaka na OVG zenye ziko na makulere mbalimbali ya kutuonesha movement ya volcan. Zile njo zinatuoneshaka jinsi ya activite ya volcan iko na kuhusu mafasilio kidogo yenye watu ya OVG wanapanaka, tunapashwa kujua kama iko namna gani kwa leo. Siye jinsi tunajua zaidi kufuatana na experience ya hii eruption mbili, tunajua kama nafasi ya kuendea zaidi ni kuelekea ngambo ya Rwanda, na kuwenye kuwa sisi wenye kuwa hapa ni kuvuka ngambo ya Rwanda. Sababu kuhusu pia mafundisho ya OVG na masensibilizasyon mbalimbali, wanatuambia kama kwa kukimbia tunaweza pia kukimbilia kuvilima mbalimbali. Gisu kuna mtoto hapa, utajisikia huru kama volkano inatumbuka huko kunyumba au huko Goma ulitembea, uende usikimbie huko kwanza kiangalia familia. Ndiyo, ninaweza kujisikia huru sababu katika mkutano tulipanga na wa profesere na prefe namna gani ya wanaweza kuongoza watoto wakati mlipuko inaweza kukua na wako kumasomo pamoja na watoto. Kwa hiyo ninaweza kukimbia na mahali pa kukimbilia ndiko ninaweza kutafutisha sasa kwenye mtoto wangu alikimbilia, kufuatana na collaboration yetu wazazi pamoja na waongozi wa masomo. Kisha formation tuliweza kuongea na familia pia na wajirani, tunawaongelesha kwa kifupi ya mafundisho ambayo tuliweza kupata. Wakati ya eruption ya 2002, lava ilitokea kule Mushaheru, mwile kilima ya nyuma. Ikashuka kufika nyuma ya hii kilima mupark, ikaingia chini ya budongo, ikakuya tokea sasa kukilima mbele. Na wakati ilitokea mbele, njo ikakuya tobolea pale kwenye tuko naona mwile kilima ya Mujoga. Wakati litokea mwi kilima ya Mujoga inashuka hivi, parti moja njo yenye lilunguzaka hapa kwenye mko naona, na parti nyingine ikaingilia sasa hapa. Kuingia hapa hivi fisiri inapita chini ya hii kilima. Inaendelea njo yenye inaenda tokea kule chini ya biro ya sheferi. Donc hii ukaifuata na muguru unapashwa enda nayo mpaka kule kubiro ya sheferi chini kadogo pale kuhisi. Njo kwenye ilienda tokea tena kufika pale njo sasa kaenda ingia mkomo. Kibaya ya volka sa vile kulunguza mashamba na kuua watu na kulunguza majengo mbalimbali, lakini pia kuna maavantage. Kizuri ya volka ni sababu sawa hapa kwenye tuko karibu ya volka tuko na sol volcanique inakuwaka na angre naturel. Wanaweza kulima leo, kesho yake wanalima tena bila kutenir konte na sezon fulani. Wakati yoyote mimea inaweza kukomala sababu ya ile udongo yenye iko karibu na volcan. Et bien voilà, nous sommes à la fin de nos émissions ici na Volcano. Tunashukuru kwa mlitufuata wiki nzima kufuata vipindi vyetu hapa kwa televisheni. Basi tunawashukuru na tukushukuru pia wale ambao walisaidia kipindi hiki kiandaliwa, ikiwa ni Action Aid, Creation Aid, Kafod, Caritas, CBK na AFTI. Asante.